À Bobo-Gare, il est 14h et chaque jour, le scénario est le même. Courir, monter sur les véhicules de transport en commun appelés Gbaka pour y récupérer les bagages des commerçantes, c'est l'exercice auquel s'adonnent Yakuba et ses amis. On court derrière les camions pour prendre le bagage des femmes pour envoyer au marché. Bon, souvent, on peut prendre les fauteuils pour envoyer P418. La zone qu'on gagne là, on peut payer pour une maison, on mange à ça. On peut appeler ça, courant, l'eau, tout ça. Braver le soleil, la pluie, la maladie et le danger pour avoir de quoi se nourrir, c'est le défi à relever par ces jeunes porteurs de bagages. Sans nous, ce qu'on est sur la route, c'est pas prudent. Souvent, voiture nous cogne, tout ça là. Il y a un qui a eu fracture, il a mal au pied. Bon. Il était arrêté, bon, c'est le camion qui est venu, qui a dévié. Et puis, il est venu prendre son pied. Les commerçantes, elles, disent être satisfaites des services de ces jeunes. Elles louent leur courage. Ça nous arrange. Même souvent, tu envoies les barrages, toi, mais tu ne viens pas. Tu envoies seulement, et même prends, quand on dit c'est telle personne, ils envoient sur le champ à ta place. Ou bien quand les barrages restent, tu t'en vas, après, ils vous envoient. Quand les gars déjà d'abri, on les paye 250, des fois 300. C'est bien par rapport à s'asseoir à la maison. Tu es assis à la maison, tu ne fais rien. Et ça, là, au moins, tu t'es debout. Tu te débrouilles, bon, tu peux gagner quelques jetons dans ta main au lieu d'aller voler. La générosité et l'abnégation de Yakuba et ses amis ne font pas l'unanimité. Ils sont très souvent accusés de vol. Souvent, on a des problèmes à eux. Faire souvent, quand les bras se perdent, ils peuvent dire que ouais, on a râpé. Bon, on a oublié de s'associer pour acheter ça. Chaque jour, là, il y a des nouvelles têtes. Bon, le fait qu'il y a des nouvelles têtes qu'on a là, donc c'est eux qui sont à la base de tout ça. En attendant que demain soit un jour plus heureux et moins éprouvant pour ces jeunes porteurs de bagages, aujourd'hui, il faut se battre pour gagner son pain.